Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir, chez vous, Christine Bravo, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoine, Isabelle Motreau, Stéphane Coquerin et Perry Cochard. Je pense que Gérard prépare son one-man show. Gérard a un petit gag. Non mais Laurent, vous êtes incroyable. Nous sommes aujourd'hui Mardi Gras. La tradition, c'est le déguisement. Les gens me disent, mais on n'a pas le temps de se déguiser. Je montre le mini déguisement. Tout de suite, vous avez compris que je suis déguisé en... Guillaume Tell. Guillaume Tell. Ah non. Non. C'est bah celui non, qui tire, c'est Guillaume celui Tell. Qui tire. Banane. Ah non. Eh oui. Gérard ne bouge pas. Excusez-moi. Newton. Guillaume Tell a eu un fils qui s'appelait lui-même Tell. Oh l'autre. C'est son fils à qui il demande ah, ça. Ah, voilà. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs... Donc vous êtes déguisé en mini Tell. Je suis déguisé. Voilà. Et là, c'est qui ça? Newton. Et ça? Eve. Voilà. Vous vous rendez compte, avec une seule pomme, on peut faire trois déguisements. C'est excusez-moi, bien, mais c'est pratique. Hein. Ah ouais, c'est... Bah, Christine, elle... Mais Christine, elle s'est déguisée, par exemple. Mais c'est extraordinaire. Dès qu'on est élégant dans votre émission, on est déguisé. Oui, c'est le mot que je cherchais, élégant. Alors, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle d'Hélène MacArthur qui a battu de plus d'une journée le record du monde à la voile en solitaire. C'est vraiment un exploit. Bon, alors évidemment, vous me direz, elle est arrivée bien après Mike Golding, Jean Le Cam et Vincent Rioux qui sont arrivés la semaine dernière. Mais ce n'était pas la même course non plus, donc c'est normal. En tout cas, elle était tellement heureuse à l'arrivée que, fière d'elle, elle chantait « Hélène, je m'appelle Hélène ». On lui a dit que maintenant, c'était devenu un chant militaire, mais elle n'a pas compris pourquoi. Partiriez comme ça en solitaire à travers les océans, Christine? Oui. Une autre photo. Puisque c'est Mardi Gras, on vous l'a dit en tout début d'émission aujourd'hui, Mardi Gras, eh bien alors, on s'est dit qu'il fallait absolument réunir Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy à l'occasion de la sortie d'Is No Good, regardez demain sur les écrans. Hein. Ils sont pas d'accord sur la Turquie, mais une chose est sûre, Sarko, c'est bien lui, le calife, qui va être calife à la place du calife. C'est bien. Puisqu'on est dans les déguisements, je vous en propose tout de suite un autre. Regardez, voilà. Ah, voilà. Eh oui, Jean-Pierre Raffarin déguisé en Laurie. Ben oui, ça semble aller de soi, puisque le Premier ministre n'arrête pas de citer sa chanteuse préférée. C'est plus la France d'en bas, c'est la France d'en bas âge dont il s'occupe maintenant, Monsieur Raffarin. Et hier encore, c'était dans tous les journaux ce matin, il a reproché aux syndicats d'avoir une négative attitude plutôt qu'une positive proposition. Il n'arrête pas de citer Laurie. Libération appelle même maintenant Monsieur Raffarin Laurie Pilon, voyez. Ils auraient pu tout aussi bien titrer Laurie Fils, mais ils n'ont pas osé. Qu'est-ce qui peut bien arriver au Premier ministre de citer ainsi Laurie à tout bout de champ? Bon, alors en même temps, c'est vrai que comparé à lui, elle dit pas tant de conneries que ça finalement, mais plus sérieusement quand même hier, je sais pas si vous avez écouté l'intervention du Premier ministre sur France Inter, mais il a répondu sérieusement aux questions du journaliste. On lui a demandé quel était son secret de longévité ainsi à Matignon, et là il a répondu qu'il était... Il est revenu aussi sur la promesse faite au président Chirac quand il est entré à Matignon. Il lui avait dit... Je resterai ta meilleure amie. On a demandé aussi à M. Raffarin combien de temps il pensait que le président Chirac pourrait être condamné s'il ne se représentait pas en 2007, que les juges poursuivaient alors leur travail. Interrogé sur les difficultés d'être Premier ministre, il s'est un peu lâché, il a avoué... Moi je préfère rester toute seule. Il a même craqué au micro de France Inter. Il a dit à un moment donné... Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. En fait, hors micro, Monsieur Raffarin a dit tout haut qu'il pensait que vraiment il était... Pour moi il est temps de partir. Eh oui, il est vraiment temps de partir, Monsieur Raffarin. Qu'est-ce qu'il lui prend? Gérard. Pour vous répondre, Laurent, est-ce que je peux vous montrer mon déguisement de Raffarin? Oui. Puisqu'on est Mardi Gras. Regardez. Vous avez compris? Vous n'avez pas vu? Regardez. J'ai mis des bouchons d'oreilles parce qu'il est manifestement sourd à tout ce qui arrive de la rue actuellement. Ah, c'est très bien. C'est vrai. Bravo, Gérard.
Mais pourquoi il cite Laurie comme ça? C'est curieux quand même, non? Parce que c'est la seule qui comprend vraiment. C'est méchant. Moi, pour une fois, je vais le défendre. Moi, je pense que quelqu'un qui connaît Laurie, ça change plutôt de la classe politique traditionnelle. Donc, OK, c'est pas extraordinaire, mais moi, je trouve ça plutôt bien qu'il la cite. C'est pour nous préparer un remaniement ministériel. Je pense qu'il y a Laurie aux finances, Alizé à l'intérieur et Jean-Pascal à la culture. Une autre photo. Une autre photo de quelqu'un qui, hélas, est réduit aussi au playback. Le pape Jean-Paul II, sa sainteté, dont la fameuse feuille blanche permettait dimanche de cacher le fait qu'il n'était pas synchro avec le playback. Ce n'est plus lui qui parle, Jean-Paul II. On le porte pour se déplacer. À ce compte-là, Nestor le Pingouin a ses chances pour lui succéder. En fait, la démission du pape, c'est un peu comme celle de Vahid Halilhodžić. Elle est réclamée par les joueurs, mais il veut aller au bout de son contrat. Yougoslave ou polonais, c'est pareil. Quand ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas partir. Et ceux d'ailleurs qui ne veulent pas partir, ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont refusé, c'est le Parisien qui nous raconte ça ce matin, ils ont refusé à l'entraîneur de partir en stage avec lui pour préparer leur match de coupe contre Bordeaux. C'était dans le Parisien, c'est incroyable cette affaire-là. Ils ont dit non, on n'ira pas en stage pour préparer ce match. Faut dire que Halilhodžić voulait les emmener en stage en Guyane parce que pour qu'ils gagnent un match maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Je vois que Sylvain Mirouf. Pourquoi c'est toujours imputable à l'entraîneur, enfin? Est-ce que parfois parce aussi, que ça ne serait pas un peu imputable aux joueurs parce que qui jouent comme des brêles? Non, mais c'est pas ça, mais il y a une règle, c'est que c'est plus facile de virer un mec que 11. Ah. Tout simplement. Oui. C'est, ça me fait peur ce que vous dites. Oui, oui. Une autre photo, celle du ministre de l'Éducation, M. François Fillon, dont la réforme sur le bac est très contestée, d'après Libération, qui en une parle même d'effervescence dans les lycées, et en double page à l'intérieur, titre « Dans la rue, les lycéens défient Fillon ». Tout est mûr pour la crise, d'après Libération, les lycéens sont mobilisés. Ben alors, ce qui est rigolo, c'est que le même jour, hein, ce matin, dans le Figaro, c'est pas du tout pareil. Les lycéens sont peu mobilisés, d'après le Figaro. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes d'origine immigrée ne veulent pas du tout du contrôle continu au bac, parce que le contrôle continu, la police leur assure dans la rue toute l'année. Moi, je suis alors vraiment pour le contrôle continu, parce qu'il n'y a rien de plus injuste qu'un examen. C'est, tu peux merder sur un point, tu peux avoir fait une impasse, alors que le contrôle continu, tu peux bosser toute l'année tranquille, tu n'es pas non plus obligé de bosser comme un forçat. Non, mais non, mais moi j'ai passé mon bac à Sarcelles. Mais toi, t'as ton bac? Oui, à Sarcelles, justement. Et je suis pas très pour ces examens. Non, c'est vrai, c'est peut-être bien de commencer une grève, mais il faut des bonnes raisons pour commencer une grève. Mais vous allez voir, je suis très attaché à ce que le bac reste un examen national, et je pense que derrière cette logique, je ne suis pas sûr que ce soit dans la tête de Fillon, mais le risque, c'est qu'on ouvre demain la voie à des bacs régionaux, régionalisés, un système comme qui ne garantira plus l'égalité entre les lycéens. Non, mais vous, tout est bon pour faire descendre les gens dans la rue pour gueuler contre les ministres. C'est ça le truc, allez. On le voit à votre manège, Gérard Miller et Stéphane Pocrin. Du coup, moi, je pense à l'avenir des lycéens et je voudrais que les lycéens réussissent à ne pas nous ressembler, à être aussi confus quand on doit expliquer quelque chose de simple, comme on l'a été là, franchement. Allez, on termine par une photo de Johnny Hallyday dont le Parisien nous révèle ce matin que dans le procès qu'il oppose à sa maison de disques Universal, le président Chirac lui-même serait intervenu sur le dossier judiciaire. Johnny aurait appelé le président d'après le Parisien. Alors si après la procédure d'adoption des Hallyday, maintenant il y a le procès avec Universal, si le président Chirac doit intervenir dès que Johnny a un pet de travers, autant que Johnny se sépare de Laetitia pour épouser Laurie, au moins on aura la rock'n'roll attitude à l'Elysée et la positive attitude à Matignon, et on gagnera du temps, vous voyez? Ah non! Vivement! Vivement 2007 qu'on puisse passer à Sarkozy, on sera tellement plus tranquille avec Didier Barbelivien. Le 20 janvier dernier a été votée la loi dite Chatel, une loi destinée à protéger les consommateurs en facilitant la résiliation des contrats reconductibles tacitement, c'est-à-dire renouvelés automatiquement chaque année, vous le savez. Les Français collectionnent les abonnements alors au téléphone, au gaz, au câble, à Internet, la téléphonie mobile. Et jusqu'alors, il était impossible d'annuler un contrat si le délai de résiliation avait été
dépassés. Grâce à cette nouvelle loi, les fournisseurs de services seront donc obligés de prévenir leurs clients un mois avant la date limite de renouvellement de leur contrat. Et ainsi, on pourra résilier à temps les contrats précédemment cités. Bref, bientôt, les entreprises de services vont enfin nous rendre service. Je trouve que c'est une bonne loi, il fallait en parler, il fallait vous prévenir. Et pour vous parler de ce sujet, on a décidé d'accueillir l'instigateur de cette loi, qui porte donc son nom. Il est député de la Haute-Marne, Monsieur Luc Châtel. Bonjour Monsieur le député, bienvenue. Bonsoir. Je veux dire que c'est grâce à un journal de gauche, grâce au magazine Nouvelle Obs, et qui plus est grâce à la rubrique de Delphine de Thon que j'ai découvert cette loi, parce que je n'en ai pas tant entendu parler que ça, hélas. Parce que c'est le genre de petite loi qui facilite la vie quotidienne et qu'il est bon de connaître. Absolument. Comment vous en avez eu l'idée ? D'abord, j'ai été chargé pendant 6 mois d'une mission parlementaire sur la consommation. C'est-à-dire que le fameux monsieur Raffarin, qui a vos foudres depuis le début de l'émission, j'ai compris, il m'avait confié une mission parlementaire. Monsieur Raffarin, non, c'est quoi, il cite Laurie. Oui. Vous pensez vraiment que c'est raisonnable de la part d'un Premier ministre ? Oh, ben ça montre qu'il est aussi proche de son époque. Donc Raffarin, Raffarin m'avait confié une mission de 6 mois, c'est-à-dire en me disant, va voir comment le système français est organisé au niveau de l'information et de la protection des consommateurs. Donc j'ai fait ce travail pendant 6 mois, j'ai rendu un rapport, et comme quoi les rapports, ça sert de temps en temps à quelque chose, il m'a dit à la fin, bah, écoute, reprends 2-3 idées très simples de ton rapport et fais-nous une petite loi très courte. Et d'où est née l'idée des contrats tacitement reconductibles. Il ne vous a pas dit, ayons la positive attitude. Non, mais on l'a fait, on l'a acté, vous voyez. Alors j'en viens à la deuxième raison, d'ailleurs, pour expliquer, qui m'a amené à faire cette loi, c'est que moi-même, comme nous tous autour de la table, je me suis fait avoir. Alors, je me suis fait avoir. Un exemple concret. Par une chaîne cryptée bien connue. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était en adhérent à l'UMP que j'ai fait avoir. Non, mais on pourra peut-être se voir à la fin si vous voulez, M. Miller. Mais donc, j'ai été piégé, j'étais abonné à une chaîne cryptée et j'ai voulu résilier mon contrat. On me dit, bah, écoutez, on a d'abord pour trouver l'adresse pour résilier, c'est un peu compliqué. Puis ensuite, j'ai réussi à écrire et on m'a dit, ah ben non, M. Châtel, vous êtes formidable, mais on est le 15 septembre, votre abonnement a été renouvelé automatiquement le 15 août dernier, donc rendez-vous l'année prochaine. Puis évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Arrive la date fatidique et vous êtes parti en vacances parce que vous foutez, vous oubliez. Et, oui. Bon, et vous êtes piégé une année supplémentaire. Puis je me suis dit, c'est pas possible. Donc le jour où Raffarin m'a confié cette mission, je me suis dit, il y a un vrai problème. Et effectivement, en discutant avec les associations de consommateurs, j'ai pu voir que c'était un réel problème. Donc l'idée, c'est quoi ? Elle est très simple. C'est qu'on ne me remet pas en cause le principe, mais qu'un mois avant la date limite de renouvellement, on vous envoie un petit courrier en vous disant « Attention, Monsieur Ruquier, sauf avis contraire de votre part, le 15 mars prochain, votre abonnement à tel contrat prendra fin. » Donc ça vous donne le délai nécessaire pour réfléchir, pour comparer éventuellement, mais si vous voulez, pour éventuellement vous désengager. Mais si vous ne faites rien, il est reconduit. Et voilà. Si l'entreprise en question, alors que ce soit une chaîne cryptée, la téléphonie mobile, ça marche aussi ? Absolument, ça marche pour tous les contrats tacitement reconductibles. S'ils oublient d'envoyer ce courrier, il faut le dire, s'ils oublient d'envoyer ce courrier, vous, alors là, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez résilier votre contrat. Absolument. Et moi, je trouve que c'est du vol, effectivement, cette reconduction tacite. Moi, ça fait 4 ans que je paye l'assurance d'un appartement que j'ai vendu il y a 4 ans. Alors, je demande à l'assurance de le résilier. Ah bah oui, mais non, il faut que ça soit la date, nanana. Ou alors envoyer un papier notarié. Évidemment, j'oublie. Je retarde le moment d'écrire le notaire, de revenir vers l'assurance. Et c'est comme ça. Mais pourquoi tu payes dans ces cas-là ? Vous devriez regarder dans le code des assurances. Il y a une disposition qui prévoit qu'au moment où on vend le bien qui est assuré, on peut résilier son contrat. Est-ce que vous, est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les gens un peu cons ? Stéphane, peut-être. À quoi pensez-vous ? Non, c'est une très bonne loi, de bonne inspiration, et d'une manière générale, je pense que ce gouvernement, vous verrez qu'on est capable de vous tresser des lauriers, a raison de s'attaquer aux questions qui concernent la consommation. Un petit bémol, mais là, pour vous encourager à aller plus loin la prochaine fois, c'est que vous ne dites rien dans le texte de loi sur les modifications de contrats unilatérales. Parce qu'il y a aussi, c'est ce que disent les associations de consommateurs, et à mon avis, a raison, il y a un certain nombre d'entreprises, c'est vrai dans tous les domaines, qui changent ou le service qu'ils vous donnent, ou un certain nombre de choses. Donc, de fait, le contrat devrait être caduc, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, vous avez raison là-dessus. En même temps, c'est une avancée, si vous voulez. Tout avancée est bonne à prendre, et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais là où j'adhère à ce que vous dites, c'est qu'on ne s'est pas assez occupé depuis une vingtaine d'années du consommateur. Donc, il est temps de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Cette loi est une première étape,
Il y a d'autres étapes à venir. Les recours collectifs, je crois que ça va être un moyen pour les consommateurs de s'exprimer et d'éviter des dérives qui peuvent exister sur certains produits. Gérard, je vais vous dire pourquoi je trouve formidable ce que vous avez fait, même si bien évidemment c'est qu'un début. C'est grosso modo, la loi a été votée en janvier, promulguée au journal officiel en février, elle sera appliquée cet été. Donc quand les gens ne comprennent pas à quoi sert la politique, ils disent pourquoi est-ce qu'il faut voter? C'est-à-dire que dès le mois de juillet ou d'août, chaque personne verra un bénéfice de ce qui était une loi de la République. Et quand les gens se disent la politique c'est très loin de nous, c'est grâce à des lois comme ça qu'il faut expliquer aux gens, si vous votez pour un tel ou pour un autre, ça changera. Je n'ai pas voté évidemment pour vous, mais je reconnais que si, vous venez. Ce sera pour la prochaine fois. Si, vous avez voté pour M. Chirac. J'ai voté pour M. Chirac, mais pas pour l'UMP. Oui. Je m'en fous complètement, c'est-à-dire que je trouve que c'est avec des lois comme ça, bien expliquées dans des émissions grand public, qu'on peut dire aux gens, si vous votez à des élections, eh ben ça change votre vie quotidienne dans le mois qui suit, si j'ose dire. On termine par Ferry. Alors moi, je trouve cette loi formidable, parce qu'on va tous en bénéficier. Mais, petit bémol quand même, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va mettre en branle plus d'une centaine de millions de lettres et d'enveloppes qui vont certes faire fonctionner la poste, c'est génial, mais qu'est-ce que vous dites à ça ? Pour répondre, en fait, c'est inexact, excusez-moi de vous contredire, mais parce qu'on a laissé la possibilité à l'opérateur d'utiliser éventuellement un courrier de liaison classique. C'est-à-dire qu'en clair, vous pouvez très bien avoir un courrier régulier comme un relevé de banque sur lequel on va vous mettre « Attention, le mois prochain, votre carte bancaire va être renouvelée, sauf avis contraire de votre part. » Donc ça ne fait pas un courrier supplémentaire. Très bien. Ou par mail, ou par SMS les opérateurs de téléphonie, etc. Voilà. Et pour les assurances, on a trouvé un système encore mieux. C'est que c'est au moment où vous allez recevoir votre avis d'échéance que là, vous aurez un délai de 20 jours pour réfléchir. Alors, voilà. Très bien. Mais ça, c'est vrai que c'est très malin, ouais, c'est-à-dire de se servir des courriers. Et je trouve que, normalement, ça me réjouit d'être dans un pays où on a quand même des idées comme ça en politique. Faut absolument que je vous voie pour l'UMP à la sortie. Jean-Luc, vous n'avez pas terminé la dernière intervention. Oui, non, je voulais juste dire que tant que vous êtes dans les réformes, est-ce que vous ne pourriez pas vous battre pour lancer le mariage à durée déterminée avec reconduction tacite? C'est une idée, vous en faites ce que vous voulez. Et ma dernière question, vous êtes député UMP de la Haute-Marne, conseiller régional aussi. Absolument. Voilà, du conseil régional de Champagne-Ardennes. Et là, vous avez une loi, c'est peut-être la première fois, qui porte votre nom. Ben oui, c'est la tradition, non, c'est la loi de la République. On est fiers, là, quand la loi Châtel, d'un seul coup, on est fiers ou pas d'avoir une loi qui porte? Non, mais on est surtout content d'avoir. J'entends tellement dire la politique, ça sert à rien, on n'arrive à rien faire, tout se pourrit. Ben, ça fait plaisir de prendre un sujet de A à Z et d'y arriver. Voilà. Peut-être qu'il y aura une loi Lori un jour. Allez, on vous remercie. Monsieur Luc Châtel, merci beaucoup. La semaine dernière est sortie en librairie « Mon père, Francis le Belge » aux éditions Jean-Claude Lattès, l'autobiographie de la fille du dernier parrain de Marseille, Francis le Belge, assassiné en septembre 2000. Dans cet ouvrage, l'auteur nous révèle la face intime du truand qu'elle qualifie de « meilleur voyou que père ». Elle aurait même pu écrire « meilleur parrain que père » finalement. Et pour parler donc de Francis le Belge, accueillons tout de suite sa fille, Sylvie Borel. Bonjour, vous avez deux enfants, vous êtes orthopédiste, orthésiste, vous vivez à Marseille. Oui. Vous auriez pu avoir envie de changer de région, mais non, vous êtes restée à Marseille. Fille donc de Francis le Belge, vous n'avez jamais souhaité porter son nom? Non, au contraire, j'ai toujours évité. Donc Sylvie Borel, Borel c'est le nom de... De jeune fille de maman. Le nom de jeune fille de votre maman. Bon, alors Francis le Belge a donc été assassiné il y a maintenant près de 5 ans, hein, enfin en tout cas entre 4 et 5 ans, oui. Et alors depuis, vous ne savez toujours pas qui a assassiné votre papa? Et en fait, je ne cherche pas vraiment à savoir qui l'a assassiné, hein. Il vaut mieux... Il vaut mieux pas savoir? Non, il vaut mieux pas savoir. Mais est-ce que vous avez une idée? Ah, pas du tout. Non, on n'a pas de piste? Non, mais puisque le... Pas, non. Tu vas lui demander ça, après ils vont débouler ici. Ça peut... Je ne veux pas savoir si vous avez une piste. Mais non, mais t'es pas dingue, je ne le dirai pas. Je m'en vais. J'imagine que vous étiez évidemment très triste, comme une fille peut l'être quand elle perd son père, même si c'est un truand, pardon de dire ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas dit, de toute façon, ça devait se terminer comme ça? Oui, oui, quelque part, oui, parce que lui-même le savait, de toute façon, qu'il ne mourrait pas dans son lit. Il m'a toujours dit, je brûle la chandelle par les deux bouts, parce que je sais très bien que...
que voilà, hein, je finirai pas très vieux. D'ailleurs, il était étonné d'avoir duré aussi longtemps. Vous-même, vous n'avez jamais été tentée alors d'intégrer ce milieu et... Moi, c'est tout le contraire, en fait. Pas du tout. Non. Moi, j'ai tout fait pour être différente de lui, pour faire du bien. En fait, j'ai porté pendant très longtemps, jusqu'à il y a encore quelques années, 2-3 ans, la culpabilité de mon père sur moi. Et donc, chaque chose qui arrivait, une personne qui mourait d'une overdose, ben, c'était ma faute. Quelque part, c'était peut-être de la drogue importée par mon père. On va quand même rappeler pour ceux qui l'auraient oublié qu'il faisait partie de la drogue connection, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Donc, bon, ça, plus le proxénétisme, c'est incalifiable. Oui, ça faisait beaucoup. Vous considérez ce livre comme une thérapie, c'est ça? Oui. Il faut savoir qu'à la mort de mon père, je suis tombée enceinte alors que j'avais perdu 2 enfants auparavant. Donc, j'ai fait abstraction pendant une année de grossesse, pendant ces 9 mois. Mais à la naissance de ma deuxième fille, en fait, mes vieux démons sont sortis. Et là, je ne savais plus, j'ai fait une tentative de suicide, j'étais vraiment au plus bas. Et j'ai commencé une thérapie volontairement avec un psy que je continue depuis 3 ans. Et automatiquement, il m'a dit « qu'est-ce que vous aimez faire ?» J'ai dit « écrire », alors, et j'ai commencé à écrire. Christine, vous avez lu « Mon père ça... Francis Lebel ». Ah oui, oui, ça m'a complètement émue. Alors, l'anecdote qui m'a le plus scotchée dans votre livre... C'est quand votre maman donc a un autre compagnon dans sa vie qui va devenir votre père de cœur, oui, et qui pendant 2 ans, pour se planquer du Belge, va se déguiser en femme. Et elle l'appelait Tati Paulette. Oui, parce qu'en fait... Et c'était le mec de sa mère. Non mais... C'est-à-dire que vous ne deviez pas savoir que votre mère avait un compagnon. Parce que quelque part, je l'aurais certainement dit. Vous l'auriez répété à votre vrai père. Forcément. Mais alors justement, vous disiez à votre père, Tati Paulette par-ci, Tati Paulette par-là. Et l'autre, le grand truand, il s'est douté de rien, nul. Ben à deux reprises, il s'est quand même douté un petit peu, notamment Tati Paulette avait pris un peu de ventre, et puis il me dit « je suis enceinte ». Et puis le temps passe, mon père descendait tous les 6 mois à Marseille. Tati Paulette enceinte. Oui. Et puis alors, je lui dis « mais écoute, je suis quand même inquiète parce que Tati Paulette n'a toujours pas accouché. Ça fait 8 ans. Voilà. Ça faisait plus d'un an. Et donc il me dit « mais écoute, c'est pas possible ». Et là-dessus, maman qui devient toute rouge et puis qui dit « mais non, mais qu'est-ce que tu dis Sylvie, ça fait que 7 mois ». Et là-dessus, on a eu la chance, le hasard a fait que le frère de Tati Paulette ait un enfant à son tour et que je montre donc la photo de ce petit garçon. C'est incroyable, tu vois. C'est Mrs. Doubtfire, tu vois. Je te jure. Gérard Miller. Ouais. Je vous sens sceptique. Non, mais j'ai lu en entier votre livre et je suis incapable d'en parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'habitue à quelque chose à quoi je ne m'habitue pas. C'est que les questions si intimes, c'est-à-dire vous parlez quand même de traumatisme, de votre boulimie, de votre dépression, de la façon dont vous avez appris tardivement la tentative de reconnaissance par votre père, de choses qui sont depuis des dizaines d'années dans le cabinet secret des psys que vous connaissez bien. Ouais. Et aujourd'hui, on s'habitue tellement à ce que ces traumatismes-là soient traités comme du people classique. Alors, je l'ai lu avec curiosité, avec intérêt, mais je ne peux simplement que vous témoigner de ma gêne personnelle devant ce type de confidence. Jean-Luc Lemoine. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est... Votre père vous a reconnu très tard, je crois, à l'âge de 13 ans. Vous en avez souffert parce que vous avez appris que si vous aviez été un garçon, il vous aurait reconnu plus tôt. Oui. Mais avec le recul, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est une bénédiction d'avoir été une fille? Parce que tous les garçons de la famille ont quand même été tués depuis. Ah oui, tout à fait. Moi, je le remercie quelque part. Ce que je lui reproche, c'est de m'avoir reconnu par la suite parce que ça m'a quand même porté préjudice. Pour ce qui est de mes emplois, parce que je commençais par faire du droit, donc les banques, c'était même pas la peine, les stages à l'URSSAF, au bout d'un moment... Si tu te présentes dans une banque pour un job et que tu dis « je suis la fille de Francis le Belge », il y a peu de chance qu'on t'en gagne. Isabelle, notre... Mais moi, j'ai trouvé ça... De toute façon, c'est un univers dans lequel, qui me fascine pas du tout, parce que le proxénétisme, ça, je trouve pas ça romanesque du tout, ni le trafic de drogue non plus. C'est vrai que ça fait des beaux films, mais dans la réalité, c'est quand même très sordide. C'est pas du tout romanesque, voilà. Et moi, je cautionne pas du tout. Hein, et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à lire jusqu'au bout, parce que je sais pas comment vous exprimer ça, quoi. Je suis pas psy, moi, j'ai pas envie d'entendre ça. C'est pour faire tomber un polar. Oui, ben non, non, tu lis. Moi, je ne l'ai pas lu comme un polar. Parce que justement, tout est vrai et on le sait. Et voilà. Et il aurait fallu qu'elle le signe d'un autre nom pour que ce soit un polar. Moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Moi, ça m'intéresse de connaître la vie de Francis le Belge. Ouais, ben moi, ça me met mal à l'aise. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'est un salaud, ce mec. Quand il se sert de vous comme d'un bouclier humain.
quand vous avez 4 ans. Ouais. Je veux dire, tu te dis, le mec, il est pas cool, il est pas clean, hein, parce que c'est sa fille qui met devant. C'est vrai, tu te dis ça, toi. Oui. Non, mais parce que jusque-là, elle le trouvait bien. Jusque-là. Non, elle le rend pas sympathique. Perry, cochin. Alors, moi, je vais vous dire, je pensais en prenant ce bouquin que vous alliez nous raconter une histoire un peu hors norme, d'accord ? Or, on s'aperçoit en lisant votre livre que vous n'avez aucune fierté d'être la fille de ce type-là. Non, pas du tout. Oui. Vous êtes même carrément en rejet. Oui. Et ça m'a gênée quelque part. Je me suis dit, merde alors, si moi j'avais été la fille de ce mec qui est quand même le Al Capone français, c'est pas n'importe qui, Francis Lebège, il faut le dire, c'était le mafieux, le parrain. Vous auriez été fière, vous. Ouais, moi je pense que j'aurais pété une gueule. Bah ouais, mais tant qu'à faire que d'être dans le truc, et bah autant aller à fond. Mais c'est vrai, je t'assure. Alors elle m'épatera toujours. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a envie d'avoir une vie normale. Elle a envie d'un père normal, de relations normales, tout ce qu'il y a de plus classique et cadré, avec un mec qui est tout ce qui n'est pas classique, qui est complètement... Mais, non, mais t'as pas envie d'avoir un père proxénète, toi? Non, j'ai pas envie, mais si il se trouve que je nais dans une famille où mon père est proxénète, et ben je pense que j'irai dans le truc à fond. Non, mais ce que je veux dire par là, j'aurais pris le côté fou et glamour de ce truc-là. C'est ça qui est inquiétant. Autant je ne souhaite absolument pas dire un mot sur votre livre, autant je vais dire un mot et sur les réactions de Christine et sur tes réactions. Ce qui est terrible justement dans ce type de livre, c'est pas son écriture, c'est les effets que ça provoque. Chez Christine, elle lit ça comme elle lirait les frasques de Johnny ou d'autres choses bénignes de la Johnny, Beauty People. Bien sûr. Et vous, oui, oui, il y a écrit con, vous, là. Vous lisez, vous Perry, vous lisez ça en vous disant comme c'est chaque fois qu'il y a effectivement une histoire romanesque, vous vous identifiez, vous vivez avec les personnages. Non, c'est ça qui est terrible. Je trouve ça moi j'ai adoré Bonnie and Clyde. J'ai adoré Al Capone, adoré Scarface. Tu les as aimés au cinéma, tu les as aimés romancés, tu les as pas aimés dans la vie. Dans la vie, c'était des monstres abjects. Et quand on parle de drogue ou de prostitution, il n'y a aucune raison de s'identifier. C'est Madame fait ce qu'elle veut, elle a raison avec sa vie, avec son récit. Mais vous qui le lisez, vous ne pouvez pas le lire comme ça. Mais non, mais attends, on donne un point de vue extérieur. Ma femme me dit pas non. Mais si, ça t'intéresse pour des raisons. Et je vais pas tarder à distribuer des flingues. Merci. C'est pas ça. Encore une chose. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est comment, par moment, on voit que vous êtes très attaché à votre mère, tout au long de votre vie, jusqu'à aujourd'hui. Et alors, vous racontez, alors là, c'est quand même le comble du truc. Et je découvre, etc., ma mère loyale comme à son habitude. Vous dites que votre mère est loyale, alors qu'elle a trompé son mari dès... Il en faisait autant. Enfin. Non mais Perry, t'es extraordinaire. Non mais attends, elle est tombée enceinte d'un autre. Mais enfin, elle garde l'enfant. Quand il était tout le temps en tôle. En faisant croire au mec que l'enfant est de lui. Enfin, pour moi, c'est parce qu'elle a peur. Mais je suis d'accord, mais si tu veux, le qualificatif n'est pas loyal. Ça m'a surpris de voir. Mais quelque part, oui, elle est loyale parce qu'elle veut sauver sa vie. Vous savez, vous pouvez pas imaginer ce que c'est d'être la femme d'un parrain. Non, ça ne peut pas imaginer, je vous confirme. Et tant mieux pour vous. Oui. Parce que quelque part, moi, c'était de la violence. Il avait deux femmes sur Paris, notamment Maria Vincent, elle le savait. Il descendait tous les 6 mois à Marseille. Vous avez un homme qui vient tous les 6 mois à Marseille pendant 2 jours et il vous violente, il vous traite comme une moins que rien. Quelque part, quand vous rencontrez un homme bien qui vous donne un petit peu d'amour, vous avez envie d'espérer que... Mais pourquoi rester avec, en fait? C'est parce qu'elle avait peur. Pour lui, il lui disait, si tu me quittes, je te tue. Allez, mon père, Francis le Belge, c'est chez Jean-Claude Lattès, c'est signé Sylvie Borel, la fille, donc, du Belge, comme on l'appelait. Restez avec nous un instant, on va essayer de se détendre un peu. On va appeler Jérôme le prof, c'est son surnom dans le métier. Jérôme Bonaldi. J'ai des cadeaux pour vous, Sylvie. D'abord, des verres. Au cas où vous montriez votre trousseau, regardez. Comme ça, on ne voit pas bien. Vous allez voir. Mais ça va d'un seul coup devenir lumineux. Vous allez dire, oh, enfin, ils l'ont fait. Tenez mon petit sac à main, s'il vous plaît. Moi, je vois déjà des trucs écrits sur les verres qui me donnent une indication. Là, c'est marqué Do, Ré, Sol. Alors après, j'ai mis un petit... Le Ré est là, le Mi est ici. Il faut taper là où c'est écrit. Il ne faut pas taper. Il faut remplir là où c'est écrit. Et ça vous fait... Donc là, si je remplis jusque-là, je fais un Sol. Exactement, d'ailleurs j'ai rempli ici, ça fait sol. Ok. D'accord. Ode à Sylvie.
Bientôt chez Patrick Sébastien. Jérôme Bonaldi. Dans le grand cabaret. Ça m'a régulé les repas. J'ai des trucs pour vous. Voici la plus petite tondeuse du monde. C'est microchirurgical. Regardez là. Non, il n'y a rien à craindre. Regardez. Pour lisser le sourcil, enlever le duvet légèrement gênant. Voilà. Hop, ici, oh oui, et haut, hop. Ça, comme voilà. C'est gentil, je vais les vous enlever le duvet. Les poils dans les oreilles aussi. Les poils dans les oreilles, les poils dans le nez pour les hommes. T'as d'accord. Pas du poil dans les oreilles. Le léger duvet. Bah, si, je l'enlève. Bah non. Oui. Mais c'est pas, c'est que les vieux qui ont ça. Bah, et alors. Et alors. Je commence, madame. On peut avoir un système... C'est pas vrai. Mais t'en as aussi, ça va. Non, la légère pilosité que nous avons quelquefois, regardez, au-dessus des lèvres. Hop, ça s'en va comme ça. Dans mon cou, le petit duvet. Voilà, je vous l'offre. Merci. Voilà. Voilà. J'ai autre chose. Terminons le maquillage avec le nec plus ou moins. Ça marche ? Ah, ça fait du bruit, hein. Ah, t'as fait un petit peu de bruit, oui. C'est bien, hein. On ça, termine ça, par les bras. Quelle que soit la forme de votre jambe, on n'a jamais les bas qui vont bien, les collants ou les oh, bas. Oh, ça c'est vrai. Ça, c'est, vous êtes au courant de ces problèmes-là. L'idéal serait d'avoir un bas sur mesure, ça coûte une fortune. Non. Regardez, voici le bas sur mesure. Quitte à avoir de la soie, l'idée elle est toute simple, vous dessinez le bas. C'est de la soie à l'intérieur, c'est une petite bombe de peinture. Prenons une jambe au hasard, celle-ci. Tenez-moi la jambe, s'il vous plaît. Merci, j'aime bien quand vous me tenez la jambe. Et hop, il faut bien secouer hein, pendant 10 secondes. C'est comme quand on fait les tags, 20 cm à peu près. Et hop, 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 voilà. Ça vous fait une peau mais lisse, soyeuse, hop, vous laissez sécher. C'est comme du bronzage. C'est un peu comme du bronzage, mais avec cette couleur un petit peu perle de soie, c'est, si vous c'est voyez. Magnifique. Et ça peut se lisser comme ceci. Comment ça hop, vous attendez. Ça va pas s'effacer s'il pleut, par exemple. Alors, ça s'en va. Ça s'en va sous la douche avec un bon bain, avec du savon, ça s'en va. Mais ça vous laissez bien sécher. Vous pouvez laisser comme ça. Pas. Attendez, il faudrait. Parce que là, ça, on voit pas très bien. L'intérêt, c'est que si tu t'es épilé, t'as des collants poilus. C'est ça qui est bien. Le problème, c'est que c'est du plastique. Il faudrait une vraie peau. Il faudrait... Et le type qui essaye absolument d'enlever les bas de la gonzesse et qui arrache la peau, tu sais. Mais alors, franchement, là... C'est un sketch de Guy Bonneau, d'ailleurs. C'est la fameuse Paulette. Il faut essayer. T'as les bas qui glissent. Voilà. J'ai pas de bas. Alors. Enfin bon, voilà, c'est ça. Ça tombe bien, Paco est arrivé, je me suis dépoilé. Voilà, regardez. C'est super. Sur la peau, on le voit tout de suite. Attendez quelques instants que et ça mes sèche. Chaussettes ah, ah zut, les chaussettes. Oui, oui, faut faire attention. Regardez, hey, cette jambe est moche et laide. Celle-là, en revanche, elle est soyeuse. Elle a un bas magnifique qui ne fait pas de plis. Ah si, c'est bien. On peut toucher ou pas? Alors, attendez un petit peu. Ah si, c'est vachement bien, Laurent. Ah, je suis content que vous aimiez. Là, vous avez un bas. Ici, on prend un petit crayon de maquillage et on fait une fausse couture ici. Ça vachement mieux. Voilà, on va lui faire la couture. La couture, la couture. C'est beau. Mais c'est super. Bon, la couture, on a... Vous êtes magnifique maintenant. Bravo. Merci Jérôme. Et merci à vous de vous être prêté à ce petit jeu. Rappelons votre livre, Mon père, Francis Le Belge. C'est chez Jean-Claude Lattès et c'est signé Sylvie Borel qui était notre invitée. Merci. Merci à vous. Depuis le 14 janvier, Guy Bedos est au théâtre Héberto à Paris, pas loin d'ici, dans Sortie de scène, une pièce écrite par Nicolas Bedos, son fils, et mise en scène par Daniel Benoît. Guy Bedos, on avait pris l'habitude évidemment de le voir seul sur scène, s'énerver et tirer sur tout ce qui bouge de travers. Dans cette pièce, il ne campe pas non plus un joyeux luron pour autant, mais un vieil auteur dramatique, c'est le rôle de très mauvaise humeur. Ça lui va évidemment, c'est un rôle qui lui va comme un gant, en tout cas c'est ce que disent les critiques, on va en parler dans un instant. Alors pour tester ensemble cette pièce, Sortie de scène, écrite par Nicolas Bedos, accueillons tout de suite son père, Guy Bedos, et celle qui joue la gouvernante de ce personnage, Monceau. Elle, la comédienne, s'appelle Elisabeth Margoni. Guy Bedos, c'est Elisabeth Margoni, bonjour. Bonjour, enchanté. C'est beau. Oh, il est beau. T'es beau, on dirait Victor Hugo, t'es beau, mon fils. Tu commences bien, toi. C'est bien. Donc vous sortez avec votre gouvernante tout le temps, maintenant, Guy Bedos. Oui,
Oui. Ah, puisque sur scène, vous êtes tous les soirs celle qui assiste ce comédien. C'est ma gouvernante, ma femme de ménage, ma secrétaire, mon infirmière. Et elle est d'une patience avec moi dans le rôle. C'est l'homme de ma vie. C'est dit. Bon. C'est pour dans la pièce, on est d'accord. Non, je la saute pas, si c'est ça. Enfin, moi, je pense que dans le passé. Enfin, j'ai rien dit. Oui, mais bon, oui, on verra en tournée. Hein. Oui. Je parle de la pièce. Ma femme qui surveille. Alors, moi, je lis les papiers, les critiques qui disent d'ailleurs que c'est. Ça va, non c'est plutôt bien accueilli, hein, oui. Franchement. Là, j'ai lu Tesson encore ce week-end qui dit voilà, on a un auteur, un vrai, là, c'est le fils, hein, Nicolas Bedos. Un acteur, un vrai, ça, c'est vous, c'est donc ça, c'est plutôt bien. Alors, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il a vraiment pensé à vous en l'écrivant? Est-ce qu'il vous a dit, en vous demandant de la lire, « Lila, mais c'est pas pour toi » ou est-ce qu'il vous l'a donné en disant « C'est pour toi que je l'ai écrite » Non, d'abord, il me l'a pas donné, il me l'a lu. Et il lit très bien, Nicolas. Et il l'a lu en m'imitant. Mais le personnage, ce n'est pas moi. Car le personnage est un type très malheureux. Et c'est pas mon cas. Très aigri, c'est pas mon cas. Oui, car effectivement, il a fait une carrière dans le théâtre dit léger. Voilà, on appelle ça boulevard, on appelle ça comme on veut. Tu vois. Et tout d'un coup, il se prend pour Bourdieu et il écrit des articles dans des journaux que personne ne lit. Et c'est vrai. Et évidemment, les huissiers viennent prendre ses meubles, tout ça. Et il est fâché surtout avec lui-même. Ça donne ça, sortie de scène, un extrait de la pièce. Oh, oh, quand je rentre chez moi, je vous relis la nuit et je ris toute seule. Oh mon Dieu, une vieille femme qui rit toute seule la nuit dans son lit, ça me dégoûte un peu. Il y a quelque chose de libidineux là-dedans. Comme si vous me parliez de vos plaisirs solitaires. Monsieur Monceau. Cochon. Ça suffit, hein. Et mon dernier essai, vous, l'admiratrice de la première heure, vous ne m'en parlez pas beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des choses intéressantes, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec ces clowneries faciles que je torchais pour satisfaire les ambitions sociales de mon ex-femme. Vous n'étiez pas encore marié? J'y pensais déjà. Et je me doutais bien que la catin exquise que j'allais rencontrer ne se contenterait pas d'un deux pièces à Nanterre. Que c'était déjà laid, Nanterre. Sortie de scène au théâtre Héberto, une pièce de Nicolas Bedos avec Guy Bedos et Elisabeth Margoni, entre autres. Moi, j'y vais demain soir, mais mes petits camarades, pour la plupart, ils sont déjà allés, donc m'ont plutôt conseillé de ne pas annuler à Paris. Ah oui, non, mais pas ne pas annuler. Tu y vas avec des copains, parce que c'est absolument... du monde. Ah oui, c'est absolument génial. Moi, j'ai adoré votre jeu de scène. Je retire mes lunettes. Ah oui, vous pouvez, mais franchement, j'avais envie de savoir quel effet ça fait de jouer avec quelqu'un comme Guy, qui a une personnalité extrêmement forte, très présente, et d'ailleurs c'est son rôle en plus dans le dans la pièce. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous gérez ça? Parce que vous manquez pas de trempe non plus, mais je voulais savoir l'équilibre, comment il s'établissait. Ben non, très naturellement. Ouais. C'est-à-dire que je suis très gentil, moi, vous savez. Oui, mais je sais, Guy, que tu es très gentil. La confiance en moi, elle sait bien que je vais Est-ce pas... que c'est plus facile qu'avec Serge Lama, par exemple puisque... Ah ben, j'ai joué avec Serge Lama. Voilà. Eh ben, j'adorais aussi Serge Lama, ça se passait très bien. Avec Michel Leeb? Avec Michel Leeb aussi, très bien. Est-ce que dans les coulisses, j'ai posé la question vache, faut un peu, parce que c'est trop gentil. Est-ce que dans les coulisses, Michel Leeb est plus drôle que Guy Bedos? On sait pas le même humour. C'est-à-dire Non, mais c'était il y a très longtemps, donc je m'amusais peut-être de... D'autres choses. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Ah, je savais que j'avais la bonne question. Oui. On va pas faire trop long là-dessus. Non. Très bien. Gérard Miller. C'est une pièce, évidemment, qu'on va recommander. On a commencé à le faire. Et je trouve surtout que c'est une pièce qui met en valeur le côté généreux de Guy Bedos. C'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de voir beaucoup de spectacles, et notamment avec des acteurs très connus, on voit quand même beaucoup de gens manger le rôle des voisins et des voisines, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est vrai que chaque personnage qui a été voulu par l'auteur comme ayant sa place, son importance, son texte, est bien mis en valeur. On voit bien, madame, que vous avez la possibilité de montrer tout le génie comique
que vous avez certainement montré avec Michel Leb, peut-être avec plus de difficultés, je ne sais pas. Enfin, là, en tout cas, c'est très réussi. Même un petit peu plus, oui. Ouais. Jean-Luc Lemoine. Je suis très envieux de Nicolas Bedos, parce que je lisais dans la presse qu'on compare tous ces personnages à des personnages de Molière. Fils de Guy Bedos et de Molière, ça va pour commencer. C'est... Il faut faire gaffe qu'il prenne pas la grosse tête quand même, parce que c'est... Non, ça va être difficile. Il a fait une émission hier, il a pris un quart de Lexomil avant d'entrer, de peur d'avoir à vomir sur tout le monde en descendant l'escalier. Donc non, il n'a pas du tout la grosse tête. Puis il est très joli garçon. Ouais. Ah, ça ne m'intéresse pas, merci. Non. Par contre, quand on demande s'il y a des rapports entre le personnage et vous, lui-même dit, ils ont quand même quelque chose en commun, tous deux ont été traversés par l'envie d'arrêter de faire rire. Je voulais savoir quand ça s'était passé et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez travaillé avec Gérard Miller? Oh, le perfide. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été un adepte du rire sec, si j'ose dire. Écoutez, une phrase, un rire, ça n'a jamais été ma religion. Je n'oppose pas le rire à la gravité, voilà. Et je pense qu'on peut, et c'est vrai que ça, peut-être que Nicolas, qui est né là-dedans, a hérité de ça, de ce goût-là. La pièce, en effet, est à la fois drôle dans ses excès, et émouvante aussi. Je voulais juste finir en disant que j'ai toujours été un grand fan de vous, mais quand même, j'ai pas pu vous suivre quand vous avez dérapé. Téléstar, 6 septembre 2004, j'avoue que j'aurais bien dragué Loana si j'avais été plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes rencontrés et je me suis récusé. Stéphane. J'ai vu la pièce qui m'a beaucoup plu, en particulier... Madame Margoni, je trouve vraiment... Parce que, en fait, on a toujours l'impression que c'est facile de déclencher le rire, ce qui bien évidemment n'est pas le cas. Et ce que j'aime bien dans votre jeu, c'est qu'avec un minimum d'effet, vous obtenez l'adhésion de la salle. Et ça, c'est très dur. Vous jouez à l'économie, c'est une manière de regarder, une manière de se déplacer, vous formez une espèce de couple extraordinaire. C'est vrai qu'on pense à Molière. Ça, vous êtes très, très, très bien dans ça. Et vous sauvez vraiment la pièce d'un côté crépusculaire, parce que c'est une pièce quand même extrêmement sombre. C'est une pièce qui parle de la fin. Elle s'appelle Sortie de scène. C'est quand même un personnage qui est beaucoup plus proche de la fin que du début, qui est fâché avec la terre entière, qui est méchant, et en même temps, l'écriture de votre fille sauve le personnage parce qu'on sent qu'il a une vraie dose d'humanité qui est révélée notamment par la présence, par l'arrivée de la nièce. La question que je voulais vous poser, Guy Bedos, c'est la suivante. J'ai entendu, vous dites, il n'y a aucun rapport entre moi et le personnage et tout. D'accord, mais je m'excuse d'insister. Vous avez au moins un point commun, c'est que comme lui, comme ce personnage, vous êtes plus proche de la fin de votre carrière que du début de votre carrière. Qu'est-ce qui vous porte encore? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous avez envie de faire? Il y a une chose que j'ai faite et que j'ai envie de continuer à faire, c'est vivre. C'est pas que j'ai parlé de la fin de la carrière, pas de oui, la vie. Oui, c'est vrai, ça s'appelle Sortie de scène. C'est sa dernière comédie, car le personnage est beaucoup plus déglingué que je ne le suis. Ses pièces, elles sont très loin derrière. Les huissiers viennent saisir ses meubles. Il est malade. Moi, il n'y a pas de preuve. Mon fils n'a pas regardé mes check-up avant de faire sa pièce. Donc, normalement, ça va. Encore pour quelques mois, il faudra peut-être me supporter. Et puis, pour le reste, oui, c'est vrai, on a à peu près le même âge, le personnage et moi, et aussi peut-être en effet les mêmes désillusions. Simplement, je les gère autrement que lui. Voilà. C'est quoi vos désillusions alors? Mes désillusions? Dans le hasard, je sais d'où vous êtes et qui vous êtes, vous. La gauche. Ça nous fait un point commun. La gauche. La gauche telle qu'elle est, la gauche officielle. Rassurez-nous, Guy, Chirac ne vous appelle pas au téléphone, vous? Non? Non. Pas encore? Non, pas encore, mais Chirac est incroyable parce que quand il était maire de Paris, il m'avait envoyé une lettre en me disant que oui, qu'il trouvait mon talent absolument inégalable, etc. etc. Enfin bref, le train-train, il me dit, et même lorsqu'on a été égratigné par vous, c'est un vrai plaisir. Il était maire de Paris à l'époque. Je lui ai répondu, monsieur le maire, je vous ai pas égratigné, je vous ai lacéré. Et donc, puisque vous m'y encouragez, je vais continuer. Voilà. On va parler cinéma. Justement, vous allez réagir tous les deux aux affiches que va vous proposer Isabelle Motreau sur des films qui sortent demain, mercredi. Alors, il s'agit bien de nous dire par rapport à l'affiche si le film vous tente ou de commenter si vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise affiche de cinéma. On parle donc de l'affiche et non pas du film. Après, Isabelle nous donnera son avis. Thierry ? Moi, l'affiche ne me tente pas, mais le thème Is No Good me fait marrer, donc je pense que j'irai voir. Pokra ? L'affiche, elle reprend très très bien l'univers visuel de la BD, sauf que je déteste la BD.
Christine. J'adore, c'est tout à fait le genre d'affiche que je collerais chez moi. Et vous irez voir le film ? Ouais. Ouais, ouais, parce que c'est plein d'effets spéciaux. Enfin, j'attends ce que va en dire, parce que... Et nous, on a hâte d'aller chez toi. Hein. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vaut le film ? Eh ben, he's pas catastrophique, mais c'est vrai qu'he's no good, quand même. C'est pas mal. C'est dommage parce que Patrick Braoudet est un réalisateur qui a déjà prouvé qu'il savait faire des comédies. Et là, en plus, il avait fait un choix qui était quand même assez gonflé. Il a décidé de faire une espèce de Bollywood à la française. Donc, il y a des passages chantés, il y a des décors extraordinaires, mais ça ne suffit pas. Le scénario est mal adapté, ou en tout cas, il n'est peut-être pas assez coupé, pas assez dense. Et puis, le montage est trop lent. Donc, les enfants vont aimer, mais les enfants petits, quoi, on va dire. On passe à Vera Drake, un film de Mike Lee. Voici l'affiche que vous montre Isabelle Motreux. Elle est plus petite, cette version. Jean-Luc. Bah là, on sent la déconne, la joie de vivre. On a l'impression que c'est une Mary Poppins dépressive. Là. C'est okay. Gérard. Ouais. Alors voilà. Christine Bravo mettra Is No Good chez elle. Moi, je mettrai cette affiche. Je la trouve sublissime et je croise les doigts pour que le film soit bien. Guy Bedos, Elisabeth Margoni. Mais moi aussi, moi j'aime bien pleurer beaucoup. Et puis, je trouve cette affiche magnifique. Puis, c'est sûrement un rôle que j'aurais aimé jouer. Moi, je connais ce cinéaste, Mike Lee. Il fait partie de l'école des cinéastes sociaux, si je puis dire, avec... Ken Loach. Merci beaucoup. Et d'autres. Et donc, évidemment que c'est un cinéma que j'aime. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. Alors, Isabelle ? Vera Drake, c'est l'histoire d'une femme donc, d'un certain âge qui est une femme pleine de générosité, mais qui aide, en fait, ses petites consœurs à avorter. Et ça se passe dans l'Angleterre des années 50, donc c'est absolument interdit, bien sûr. Et puis, elle va être découverte et sa famille est complètement stupéfaite. Et c'est un film vraiment intéressant. Un film intéressant. On passe à Sideways. Alors là, par le réalisateur de Monsieur Schmitt. C'est qui le réalisateur de Monsieur Schmitt, Isabelle Motreux? Eh bien, c'est Alexander Payne. Voilà. Ils nous mettent quand même tous les prix hein, dessus. Ouais. Gérard Miller. Le propre de la publicité, c'est toujours de vous dire. Est-ce que tu peux. On voit encore Gérard Miller. Est-ce que tu peux un peu. Encore un peu par là. Le propre de la publicité, c'est de vous dire tout le monde a cette voiture, tout le monde a ce shampoing, pourquoi pas vous ? Moi, quand on me dit ça, je n'ai pas envie d'y aller. Pocra. Ouais. Moi, c'est une affiche qui me rend très triste parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des amis et pas moi. Christine ? C'est la vie. Pour moi, c'est exactement le symbole de la vie. C'est-à-dire, t'es avec des copains, tu lèves ton verre. D'accord. Même seul, non ? Quoi ? Tu peux lever ton verre toute seule. Oui, mais enfin, là, c'est, tu sens, regarde, la clarté du vin rouge dans ses verres, c'est d'une poésie. C'est tout ce que t'as vu, toi, le vin rouge, je sais. Elisabeth et Guy. Moi, je trouve que ça fait un peu une pub pour des rillettes, mais... C'est vrai qu'il y a un petit côté où juste un bridou. Oui, c'est ça, voilà. Jambon. C'est vrai. Oui, non, mais moi, je trouve ce film, enfin, tel qu'il se présente, déplacé dans la vie que je mène en ce moment, où je suis claqué, je vais pas au cinéma, j'ai envie de voir un film comme ça, mais je le verrai en cassette ou en DVD. Isabelle Motreux. Ah ben, alors, ce qui est bien, c'est que ça ressemble, ça a le côté convivial et chaleureux d'une pub pour les rillettes, comme vous disiez, mais alors, c'est pas du tout aussi factice que ça. C'est en fait l'histoire de deux hommes, ceux que vous voyez sur l'affiche, dont l'un va se marier, et ils enterrent sa vie de garçon, tous les deux, c'est les meilleurs copains du monde, en faisant la route des vins californiens. Si tu regardes bien le verre que tient le monsieur avec le polo à rayures, c'est un geste d'œnologue. Non, il est bourré, c'est tout. Mais non, le vin ne remonte pas dans un verre. Il y en a un qui est un véritable œnologue. Voilà. Alors, il y en a un que c'est Mike. C'est pas l'analyse des affiches, c'est l'analyse du vin, Christine. Elle a raison, parce que tout est basé là-dessus. Il y en a un qui est Miles, qui est un œnologue et qui adore le pinot, c'est-à-dire un vin un peu complexe, un peu comme ça. Et l'autre, c'est Jack, c'est un héros de feuilleton, c'est un peu un beau mec comme ça, gros bras, facile et tout. Alors lui, il adore le cabernet. Et voilà, et c'est la base de leur entente. Et puis finalement, c'est pas si gai que ça, parce que ces deux garçons se posent plein de questions sur eux, sur leur vie. Ils sont à un moment où ils sont un peu dératés quand même, l'un et l'autre. Vous ne donnez pas envie d'y aller, je sais pas pourquoi. Si, parce oui, là, c'est que bizarre, c'est oui. À la fois, c'est Woody Allen, et quand même, à des moments, bon, il y a des petites aspérités. Non, c'est vraiment un film à pas rater. Lequel des trois vous choisissez, s'il faut en choisir un ? Celui-ci.
Alors, vous suivez Isabelle Sideways. Ah, c'est bien. Et vous, Elisabeth? Vous ne le regretterez pas. Non, Vera Drake. Et vous, Vera Drake. Is no good pour les enfants. Ça sort demain. Oui. Voilà. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Voilà. Merci, Isabelle Motreau. Avec plaisir. 21h sur les soirs au théâtre Héberto. Mise en scène de Daniel Benoît. Une pièce, donc, de Nicolas Bedos. Allez-y, c'est au théâtre Héberto. Merci à tous les deux. Merci. Merci.